Salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des nouveaux packs de dons du serveur Hunter. Je suis en compagnie aujourd'hui de Naki54, salut à toi Naki. Salut. Donc on va commencer avec le plus petit pack, le pack Fouche Roda, qui est disponible en faisant un don via le site leboncu.fr, je rappelle. Enfin le serveur leboncu.fr, donc voilà, Naki est là, il fait nuit noire. Voilà zombie, je vais vous montrer la première épée, Knockback 10, regardez un peu l'effet que ça fait. Donc ça peut vous aider en PVP quand vous êtes en difficulté, une épée secondaire en fait. Donc en gros, si jamais il y a un mec qui vous tape et vous avez plus bout de cœur, un coup d'épée et vous le renvoyez à je sais pas combien de mètres de vous et vous pouvez partir en courant. Ce qui peut être très utile aussi pour les mobs ou quoi que ce soit, bon, vu qu'il n'y a pas beaucoup de coups. Vous avez deux épées, hein. Il y a deux épées et une potion, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer, donc là il y a le pic zombie. Vous avez une potion dégueulasse de nausea et slowness. Et vous avez une autre épée Knockback 10. Donc Knockback 10, c'est vraiment pas mal. Ensuite nous avons le pack Popo Gold. J'ai renommé comme ça. Donc vous avez 4 potions dégueulasses. Vous avez 10 potions de rougeole. Donc on va faire un test sur moi tout à l'heure. Et vous avez 8 potions de sweetness. Donc c'est des potions de force en fait. De force et de speed. Donc je vais m'enlever le god, slash god, hop. Et on va faire un essai en me jetant des potions, vas-y jette-moi une potion. Voilà, vous voyez je vais me mettre en F5. Je suis comment dire, rouge, donc c'est la rougeole, voilà. En PVP ça peut être très utile parce que si jamais vous êtes comme ça, si jamais on vous met comme ça, vos ennemis ont le temps de vous taper. Hein. Par exemple je suis comme ça, j'essaie de taper quelqu'un, on dirait que je boite. Donc ça aide beaucoup l'adversaire, enfin ça vous aide beaucoup si vous jamais vous faites sur l'autre. Oula, ouais d'accord. Un petit peu de lait, mon cher Johan. Du lait. Oh. Ouf, merci. Ensuite, on a la potion de Speed 4 et Force 4. Donc, je vais la boire, vous allez voir. Voilà, donc en gros, là, vous courez extrêmement vite pour fuir. En plus, avec la Fouche Roda, c'est pas mal. Et vous tapez 4 fois plus fort avec la force. Et ça dure 4 minutes, je crois, 5 minutes, même 5 minutes, donc c'est vraiment pas mal. Bon, la potion de nausée, je vais la tester, mais bon. Voilà, là j'y vois pas. Je suis complètement, comment vous dire, paralysé complètement. Oh, voilà. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de se suicider, ça. Ouais, et il y a 30 pommes en or aussi si vous avez besoin. Ah, merci pour le saut. Pour le... Ouf, là on voit quand même l'effet de nausée, c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a 7 dons, le pack draconier, bon ça c'est vraiment le pack top du top, avec les bottes du draconier protection 7, leggings du draconier protection 7, plastron du draconier protection 7, tense 4 et casque du draconier protection 7, l'épée sharpness 10, fire aspect 3, unbreaking 3, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite on a les popos qui vont avec, les potions que j'ai montré tout à l'heure, donc je vais m'équiper, on va aller voir les pics zombies, regardez les pics zombies comment ça va enchaîner cher, hop c'est parti. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment... Je prends presque aucun dégât. Et Pic Zombie, je fais énormément de mal au Pic Zombie. Je l'ai one shot. Voilà, je l'ai one shot carrément. C'est un peu comme une Joan Autor, mais en plus fort en fait. C'est je sais pas combien de fois plus fort que la Joan Autor, donc c'est vraiment pas mal. Je peux les ennemis, si jamais c'est un ennemi no stuff, je peux le one shot. Bon, là, il y en a qui est en game mode, bon. Non, oui. Mais si c'est un ennemi no stuff, je le one shot carrément. Même s'il est un petit peu stuff faire en deux coups, je vais le tuer normalement. Vas-y, essaye voir de me tuer. Voilà. Voilà, vous avez vu, bon j'ai tapé une fois, en plus il y a le fire aspect derrière. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. Ciao Naki. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder celles qui sont dans la description, elles sont faites pour vous, vous avez un concours Minecraft à gagner. Et une petite vidéo sur Fan Kingdom pour aider Zelbrak. Voilà. Allez à plus tout le monde, bye.